Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Juste ce qu'il faut de jetons, qui est un jeu qui convient à tous les enfants de maternelle, quel que soit leur niveau et quelle que soit leur section. Avec ce jeu, on va travailler sur le sens et la fonction du nombre, et plus particulièrement la mémoire de quantité. On peut trouver ce jeu dans l'ouvrage des éditions Canopé, Enseigner les mathématiques en maternelle. Pour jouer à ce jeu, vous pouvez utilisez ce matériel-là, c'est-à-dire une planche et puis des jetons de ce type-là. Et si vous n'avez pas ce matériel-là à la maison, pas de souci. Vous pouvez dessiner des petits ronds, les colorier et les découper si vous en avez envie, ou le faire faire à votre enfant, comme ça en même temps, ça lui fera un exercice de motricité fine. Ensuite, vous décidez avec votre enfant de dessiner une image avec ces petits ronds. Donc là, par exemple, moi j'ai décidé de faire une grappe de raisin parce que ça s'adapte bien, mais après vous pouvez faire une autre image. Et l'enfant va devoir poser ses jetons sur l'image pour la reconstituer. Donc, soit avec des jetons, des vrais jetons, voilà, soit avec les jetons en papier. Donc une fois qu'il a réalisé son image, on va pouvoir passer à l'étape 2 qui est un petit peu plus complexe. Cette fois-ci, on va lui prendre un certain nombre de jetons. Voilà, et on va les positionner autre part, dans un endroit où il sera obligé de se déplacer, qu'il ne peut pas voir tout de suite. Donc sur une autre table par exemple. Et on va lui donner la consigne suivante. On va lui dire « Va ramasser le nombre de jetons dont tu as besoin pour compléter ta figure. Attention, il ne faut qu'il n'y en ait pas trop ni pas assez. » Donc là, l'enfant aura plusieurs stratégies possibles. Soit il va faire du terme à terme, c'est-à-dire qu'il va aller chercher un jeton à la fois et qu'il va compléter ainsi sa figure, comme ça il sera sûr de ne pas en avoir trop. Ou alors, autre stratégie possible, il va en prendre une grosse poignée, il va la ramener, il va compléter sa figure et il va ramener ceux qui sont en trop. Ou alors, une dernière stratégie, il va ramener un tout petit peu, 2 ou 3 et faire plusieurs passages. Ou alors, il peut décider de compter le nombre dont il a besoin, il se rappelle du nombre et il va chercher le nombre dont il a besoin. Donc ça, c'est une autre stratégie possible. Attention, quand on donne la consigne, on dit bien « ramasse bien » et on n'emploie pas le terme « compter ». Parce que si on emploie le « compter », on va tout de suite induire l'utilisation du nombre. Et là, pour l'instant, on veut qu'il l'expérimente et qu'il trouve sa stratégie par lui-même. Même si le but, c'est d'arriver à ce qu'il utilise le nombre. Et on va le contraindre justement à utiliser ce nombre dans la troisième partie en lui disant, cette fois-ci en rajoutant une contrainte, en lui disant qu'il n'y a plus qu'un seul passage à effectuer. Donc là, s'il n'y a plus qu'un seul passage, toutes les autres stratégies qu'il a pu essayer avant n'iront plus et il sera obligé d'utiliser le nombre pour se rappeler de la quantité dont il a besoin. Donc là, il comptera le nombre dont il a besoin, il peut utiliser ses doigts et il ira chercher la quantité dont il aura besoin et il complétera. Et il verra s'il s'est trompé, s'il y en a trop ou s'il n'y en a pas assez. Pour les grandes sections, on peut rajouter en plus le rôle du banquier. Donc c'est vous qui serez par exemple le banquier et l'enfant va devoir vous donner un petit papier pour récupérer le nombre de jetons dont il a besoin. Donc pour cela, il peut par exemple dessiner le nombre de jetons qui lui manque ou alors il peut écrire le nombre dont il a besoin. Si l'enfant a réussi à compter le bon nombre mais ne sait plus comment l'écrire, ce qui peut arriver, vous pouvez l'aider en lui présentant une petite frise numérique. L'enfant, souvent, connaît bien sa comptine numérique. Il redit sa comptine numérique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. S'arrête au nombre dont il a besoin et peut l'écrire. Et ensuite, il vous transmet le petit papier. Vous lui donnez le nombre indiqué et il complète et vérifie s'il avait demandé le bon nombre. Donc j'espère que ce jeu vous a plu et vous aura donné envie de jouer avec votre enfant. N'hésitez pas à aller aussi sur notre site Canotech qui va vous présenter encore plus de ressources pour assurer la continuité pédagogique. Et n'oubliez pas, l'important c'est de jouer, s'amuser et d'apprendre. Merci, au revoir.